Surpris de me voir ? Ah, salut, Pete. Je t'ai pas entendu entrer. C'est fini, je vous tiens. Tu sais, je dois t'avouer, Pete, que j'admire beaucoup ta ténacité. Je comprends pourquoi tu plais à Liz. C'est vrai. Quand je t'ai vu la première fois, j'étais pas sûr, je me suis dit, c'est lui. Mais je la comprends maintenant. Comment pouvez-vous faire ça à votre fille ? Quoi ? Je ne lui fais rien du tout. Tout ça, c'est pour elle que je le fais. C'est ça. Peter. Tu es jeune. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la vie. Peut-être, mais je suis assez grand pour savoir qu'on ne doit pas vendre d'armes à des criminels. À ton avis, comment ton copain Stark a financé la construction de sa tour ? Et tous ses petits gadgets ? Tu comprends pas, Pete, que le monde est mené par des gens riches et puissants, qui font tout ce qu'ils veulent, et les gens ordinaires, comme toi et moi. On n'existe pas pour eux. On construit leurs routes, on fait leurs guerres, on travaille toute notre vie. Malgré tout, on compte pour rien. On passe le balai après eux, et on doit se contenter de manger leurs miettes. C'est ça la réalité. Et je suis sûr que tu me comprends, Pete. Pourquoi vous me dites tout ça ? Parce que je veux que tu ouvres les yeux. Et j'avais besoin d'un peu de temps pour réchauffer les moteurs. Désolé, Peter. Désolé quoi ? Ce truc ne m'a même pas encore touché. T'as raison. Mais en fait... ça n'a jamais été l'intention. Ils ont allumé les moteurs. Ok. Oui, dépêchez-vous. C'est bon, j'arrive.